Bonjour, je m'appelle Anthony Bruno et je suis aiguilleur du rail dans la région lyonnaise. Je travaille en 3-8 sur une gare de triage et je suis également candidat sur la liste du NPR révolutionnaire lors des élections européennes. Je suis salarié depuis seulement 2 ans, mais j'ai déjà pu constater le sous-effectif permanent, les bas salaires et les cadences de travail qui abîment la santé. Sur mon lieu de travail, il y a des tas de travailleurs avec des statuts différents. En plus de mes collègues aiguilleurs, il y a des cheminots du fret, des cheminots du matériel, mais aussi des travailleurs du privé, de la sous-traitance ou encore du personnel du nettoyage. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec ou sans chef, c'est nous qui faisons tourner cette gare. Et ce qui est vrai ici est vrai pour l'ensemble de la société. Actuellement, les patrons du fret veulent restructurer et supprimer des emplois. Et ça me révolte, parce qu'au nom des profits, c'est des milliers de travailleurs qu'on veut mettre sur le carreau ou dégrader leurs conditions de travail. Pourtant, ce n'est pas les patrons qui se lèvent tôt ou qui se couchent tard pour faire rouler les trains. Mais dans cette société capitaliste, nous les travailleurs, nous sommes à la base de tout, mais nous n'avons aucun droit, à part celui de subir l'exploitation et les licenciements. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on serait bien plus légitime et bien plus efficace à diriger nous-mêmes cette société. Pour affirmer cette idée simple, que c'est ceux qui produisent tout qui doivent décider, alors votez pour une liste de travailleurs et de travailleuses révolutionnaires le 9 juin prochain. Ensemble, affirmons collectivement la perspective d'un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution.